En France ni en Europe. La seule chose que j'ai pu trouver et qui correspondait plus ou moins à ce que je voulais, pour mon petit frère, c'était un dentifrice qu'un chef d'entreprise a créé pour son père qui était malade. Mais c'est au Japon, donc je ne vais pas faire importer du dentifrice du Japon pour mon petit frère. Du coup, je lui ai dit, je vais te le faire. Ça fait plus de 2 ans que je pub mène et mon meilleur ami. Je lis tout ce qui peut sortir. Je m'informe énormément. Je suis motivée par l'amour que j'ai pour mon petit frère. Donc, ma motivation est indéfectible. Et là, je suis très proche d'atteindre mon but avec tout ce qui peut correspondre à ses besoins qui sont aussi peut-être les vôtres. Donc en mai exactement, parce que je suis une candidate très respect, j'ai fait son plat, là, comme Anna d'ailleurs. Et donc là, bah, je suis encore aux prémices de cette création. Voilà, ça permettra de découvrir à la fois l'auto-édition, de lire différemment, avec des fonctionnalités par exemple sur l'application qui permettra du choix multiple, enfin, différentes choses. Je vous remercie en tout cas. Mon bras droit, j'y vais. Donc on est une école d'informatique qui a ouvert en 1998, surtout en Île-de-France. Et aujourd'hui, voilà, on est vraiment basé sur l'accompagnement des étudiants tout au long de leur scolarité. On fait de l'alternance, donc on essaie vraiment de les coacher par rapport à ça. Donc on les coach vraiment pour le savoir-être et le savoir-faire en entreprise. On sait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont du mal quand il faut se présenter un entretien d'embauche, etc. Donc on a JB, mon collègue, qui justement les accompagne tout au long de ce chemin. On va tenter de réduire tout le trafic des véhicules non coordonnés des chantiers qui mettent le bazar et qui polluent les villes et les campagnes. C'est un outil de planification qui permet voilà, d'organiser le trafic des véhicules, de réserver les créneaux d'accès sur les chantiers. Ça fonctionne depuis 5 ans maintenant, avec une expérience depuis plus d'une dizaine d'années sur l'hôtel des polices là, qui est pas loin, c'est en train d'être mis en place pour justement réguler le trafic de tous les véhicules. Voilà, ça marche sur des très très gros chantiers et j'espère que ça va marcher sur des petits chantiers. De plus en plus d'employés qui utilisaient leur ordinateur personnel pour travailler pour leur entreprise. Le problème, c'est que ça cause énormément de problèmes de sécurité pour les entreprises, qu'on ne sait pas ce qu'il y a sur les machines, on ne sait pas quelles sont les stratégies de sécurité, on ne sait pas comment l'employé va l'utiliser. C'est pour ça qu'on a créé la CID. Donc la CID, c'est un petit boîtier qu'on va brancher à n'importe quel ordinateur. On va pouvoir redémarrer dessus et on va avoir une machine complètement isolée. On va pouvoir travailler avec nos logiciels, avec les fichiers, les dossiers sur lesquels on travaille et les stratégies de sécurité de l'entreprise. C'est vraiment l'entreprise qui gère tout de A à Z. Donc c'est complètement isolé. Et donc si on est une petite entreprise, une PME, et on n'a pas forcément les moyens financiers d'équiper tous nos employés avec des ordinateurs professionnels, on peut juste louer une site et on va pouvoir démarrer dessus et l'utiliser de façon professionnelle sans